très chaleureusement invité par le Conseil Général et Tim et moi, on est toujours absolument ravis de répondre présent à des invitations aussi chaleureuses et bienveillantes. Comme la plupart des romanciers, je passe le plus clair de mon temps à devenir dingue tout seul dans une chambre. Donc c'est toujours une joie de rencontrer, d'aller à la rencontre des lecteurs et surtout dans un pays aussi magnifique que la Corse où on a été superbement reçus. Et il faut dire que les romans avec Tannhäuser, donc la religion, et puis les 12 enfants de Paris, seront peut-être portés prochainement à l'écran. Oui, absolument. L'Amérique est un pays extrêmement jeune et qui nous propose à la fois les aspects les plus formidables et les plus néfastes du monde. C'est un pays où tout ce qui est le plus extrême est monnaie courante. Je crois que quand on s'attache à écrire des choses extrêmement sombres et tourmentées, c'est une manière d'exorciser la part d'ombre que l'on a en soi. J'écris un roman en ce moment, mais c'est très loin d'être terminé, d'être prêt. Donc il y a au moins 6 ou 7 romans que j'ai écrits en anglais qui n'ont pas été traduits encore en français. Et j'ai un roman qui va sortir en Angleterre en mai.